Coucou, samedi matin, je ne vous avais pas repris depuis. Ben, on s'était quitté jeudi soir après l'allocution du président. Vous m'avez dit sous ma vidéo, oh, j'aurais bien aimé, par exemple, qu'Éric s'exprime un petit peu sur le fait que les écoles soient fermées, genre de choses. Bon, c'était pas le but et c'est pas le but sur YouTube qu'on parle de ça non plus. Évidemment, je fais du vlog, donc ça fait partie de notre quotidien, ça va faire partie de notre quotidien, donc ben, y a des choses qui vont être évoquées. Bien évidemment, vous me suivez depuis un moment pour certains, donc vous connaissez le terrain anxieux, mon terrain anxieux. Je suis quelqu'un qui s'angoisse. Hein. Ah bah, chérie, justement, est-ce que tu serais prêt à dire, parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont dit, oh, on aurait bien voulu savoir ce que Eric pensait du fait que les écoles soient fermées, les écoles, les lycées, les universités, ce genre de choses. Est-ce que tu veux t'exprimer ou pas du tout? Non, je suis pas spécialiste. Ben c'est ce que je disais, moi je suis pas une spécialiste. Après moi je trouve que oui, c'est une très bonne chose. Voilà, La je le seule dis. chose que je sais, et ça c'est important, c'est que quand on ne sait pas, faut se garder d'avoir un avis. Je sais. Parce qu'il y a des gens qui savent mieux que nous, Les peut-être qu'ils ne sachants. savent pas tout. En tout cas, ils en savent plus que nous, parce que c'est par leur métier, leur expérience. Et de temps en temps, il faut dire, bah, je fais confiance aux gens qui savent C'est plus. Ça ne exactement veut pas dire ça. qu'ils ne se tromperont pas, hein. Mais ça veut dire qu'ils ont moins de chances de se tromper que nous. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, hein. Mais ils sont dans ce domaine-là, à ce moment-là, pour ces questions-là, ils ont moins de chances de faire des erreurs. Parce qu'ils ont une certaine. Ils ont un certain background qui leur permet d'éviter ça. Nous, faut savoir dire, je ne sais pas. Alors, faire confiance, attention, j'ai pas dit faire confiance de façon aveugle, hein. Encore une fois, ils peuvent dire des bêtises, ils peuvent se tromper, mais la probabilité qu'ils se trompent ou qu'ils disent une bêtise Est suffisamment étant faible, inférieure ouais. à la mienne, enfin, la probabilité que moi je dise des bêtises, c'est une question qu'il faut être Non, pragmatique. je crois qu'on a, Quand on est face à un l'inconnu. problème qui nous dépasse, le pragmatisme, c'est de suivre les recommandations, et pas de façon aveugle, encore une fois, mais de façon Réfléchi, lucide, critique, mais il faut suivre voilà, les avis des gens qui savent. En tout cas, qui savent plus que nous, parce qu'encore une fois, ils ne savent pas tout. non. Ils en savent plus que nous. C'est voilà, c'est exactement ce que moi je pensais. Est-ce que je peux rentrer dans la cuisine? Oui, et d'ailleurs, t'entends, il faut que j'aille tendre la machine qui Voilà, je crois que tu as sonne. bien fait. Étendage fait. Oui, je le rappelle pour ceux qui peut-être me découvrirait que depuis peu, Eric est enseignant en lycée. Et donc, bah voilà, tout est fermé dans la France, école, collège, enfin tout, université. J'ai décidé aujourd'hui, enfin, nous avons décidé de sortir prendre l'air. Ça fait 2 jours, je crois, que je ne suis pas sortie. Et moi, je suis du genre, je pourrais très bien rester chez moi sans bouger, sans sortir. Encore plus par ces temps qui court, et c'est absolument pas la solution, parce que il faut que le mental suive, et à un moment donné c'est pas bon de rester là, de ruminer, de regarder des infos, blabla, surtout pas. Tu peux un petit peu t'informer, ce qui est bien, mais à petite dose. Et donc cet après-midi je pense qu'on va aller se promener en forêt, prendre l'air, marcher, évacuer, et c'est un truc très important, voilà. Puis faire monter un peu le cardio pour évacuer le stress, comme je vous disais. Et sinon, j'ai quand même du boulot, donc il faut que je m'avance sur les vidéos. Ça va être ce que je vais faire en début, je pense, d'après-midi. Mais pour le moment, je vais descendre manger, parce qu'il doit pas être loin de 13 h. Je vais me faire une petite soupe, je pense. Et toi, mon Jackie? Ça va, mon bébé Satan? Oui, tu vois, il va bien, lui. À votre avis, je vais manger quoi ce midi? Il n'y a pas énormément de possibilités. Est-ce que je mange assez souvent en ce moment? Mais ouais, la soupe, la soupe. Je pars sur ça ce midi. Potiron, crème fraîche, les croquettes, j'allais dire. Ça, gruyère. Et Jack est très excité parce qu'il sait que j'ai acheté du surimi, que potentiellement il pourrait avoir un petit bout. Mais c'est pas tous les jours. Mais comme je lui ai donné il y a 2 jours, c'est possible que tu aies ton petit bout. Vous n'êtes pas prêt. Vous allez voir sa réaction. Bon, d'habitude. Est-ce qu'il a déjà identifié? Tu me permets de... Non, 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 ça y est, ça a percuté. Va à ta place, mon bébé. Oui, j'arrive. Chut, ça va être très compliqué. Je coupe les petits bouts que si Jackie va à sa place.
Je me suis réveillée ce matin sur les coups de 6 heures, ça fait 2 matins que c'est comme ça, avec une migraine carabinée au-dessus des yeux, dans la nuque, et nauséeuse, quoi. C'est très 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 pénible, donc j'ai pas pris de médicaments cette fois-ci. Je me suis dit, je vais voir si le fait de prendre un café serré fonctionne, enfin serré, donc un allongé. Et ça a fonctionné au bout d'une heure, mais je sens que je suis faible, quoi. C'est pénible, mais pénible que ce soit comme ça tout le temps. Ça fatigue vraiment l'organisme et ça joue sur le moral d'avoir tout le temps des migraines. C'est chou. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que ça fait partie de mon quotidien. Voilà, tout simplement. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Il y a autre chose. Bon, j'ai oublié. C'est prêt. Mmh, elle sent super bon. Petite pause repas pour changer devant des vidéos. Ah, elle fait comme moi. Oui, je me suis regardée une story de Camille Lelouch, l'humoriste, sur Insta. Hein. Oh non, même avant du tour, elle était en escale à Tokyo parce qu'elle a fait une tournée à Nouméa, donc c'était son escale. Non, mais. Bon, elle était dégoûtée parce qu'elle devait annoncer que ses places et 4 derniers spectacles étaient annulés, donc report et tout. Donc on voyait qu'elle était en bad, mais elle peut pas s'empêcher de faire de l'humour. Et ça, c'est typiquement le genre de truc qui te met en joie, quoi. J'aime beaucoup cette nana. Bon. Voilà, donc Eric vient d'arriver, je pense que tu vas manger, il me met les infos, normal, c'est ça, t'allais me mettre les infos là. Oui, parce qu'il faut se tenir informé. Ah bah oui, mais pour quelqu'un comme moi qui est angoissé, c'est matin, midi, soir, on bouffe des infos. Non. Et après tu me dis, détends-toi bébé, bah ouais, mais ne me mets pas tout ça. Alors, je vais te dire un truc, quelqu'un qui se balade sur internet, toute la journée, quoi, est-ce que les gens qui vont sur les réseaux sociaux, c'est en général les gens les plus angoissés, les plus alarmistes. Non, et pourquoi est-ce que c'est sur les réseaux sociaux que les rumeurs les plus folles sont cours. Donc c'est bien l'endroit. Non, mais je ne regarde pas ça, je fuis ces trucs-là. Les gens parlent sans filtre sur les réseaux sociaux. Quand il n'y a pas de filtre, les gens projettent leur angoisse, etc. Donc c'est très mauvais les réseaux sociaux. L'information, c'est jamais mauvais, parce qu'une information, c'est quelque chose qui est au moins sourcé. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est au moins sourcé. Bon, sur ce, je vais monter. Ben moi, je vais monter. Je suis montée dans ma chambre pour installer, vous savez, la petite barre que j'ai eue chez Action. C'est pas mal, c'est assez puissant. Mais bon, il en faudra une de chaque côté. Apparemment, vous m'avez dit que ça consommait beaucoup au niveau des piles. Par contre, faut pas que ça me déclenche des migraines. En parlant de ça, elle est revenue, ma migraine. Et comme il est à peine 14h, je vais me tenter un café. Le problème avec le café, c'est que si on arrive en pénurie, si j'ai pas mon café, il va nous en rester pour 5 jours, donc j'espère que ça va pas être dévalisé aussi, ça, dans les supermarchés. Ah, je vais faire mon petit café, même s'il faut que je les économise. Bah, j'avais laissé mon truc de soupe, n'importe quoi. Je suis vraiment perturbée, hein, c'est le genre de truc que je fais jamais. Bon, bien sympa ce petit café, mais pas suffisant, je crois, pour me faire passer la migraine. Je vais être obligée de prendre un cachet. J'attends encore un peu. Ah, c'est pénible. Il est 2h27, je vous ai dit que je voulais peut-être commencer un peu sur les créations, là. Mais il me manque des éléments. J'ai pas du tout envie d'aller chercher ça dans un magasin. Il me manque une chose. Et je me dis que peut-être, je peux trouver dans mon grenier. C'est possible. Et puis la balade, la fameuse balade. Il se passe que je te demande, tu penses qu'on y va quand se balader? Oui. On y va quand se balader? Quoi? Et t'es sourd? Tu m'appelles, m'appelles pour parler à ton téléphone. Tu veux que je fasse? Non, mais je te demande quand est-ce qu'on va se balader. Bah, quand tu veux. Dis-moi plutôt, ça me plairait que. Eric, ça me plairait que nous allions nous balader dans une heure. Bah voilà. Et je te réponds oui ou non. Ok. Ou merde. Et donc tu réponds quoi? Merde. C'est pas bon, ça. Non, très bien. Tu vois, moi, là, c'est clair. Ok, salut. On était sur la route pour faire notre balade et on a trouvé un parc. C'est quoi? Il y a des lamas, des dromadaires. Il y a un lama. Il y a un lama, il y a un dromadaire parce qu'il n'a qu'une bosse. Et puis c'est tout. Les chevaux. Parce qu'un dromadaire, c'est qu'une bosse? Ben oui, bébé, c'est un chameau qu'on a deux. Et comment tu le sais? Ben parce que chameau, deux syllabes, et dromadaire, trois. Une bosse. Mais non. Trois bosses. Non, mais j'ai raison. Nous sommes parés pour la balade. On a vraiment trouvé, on y va de temps en temps, enfin on y allait quand on marchait. Faire cette balade, elle est sympa.
il y a peu de chances qu'on croise du monde. Même si là, j'ai vu du monde. Et c'est là où il y a le joli château, en tout cas en façade. Attendez, vous voyez ? C'est vraiment le château de la Belle au Bois Dormant. Je reprends, j'ai pas compris. J'étais en train de vous parler tout à l'heure en extérieur et ça a coupé. Oui, je vous disais juste que ça m'a fait un bien fou, ça nous a fait un bien fou et il va falloir qu'on le fasse, qu'on recommence régulièrement. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu. Ça me monte aux joues. J'ai compté, ça faisait 8 mois qu'on avait arrêté la marche rapide et tout. Là, on y est allé vraiment cool, hein. Mais bien, je suis contente. Et en rentrant, j'avais envie de me faire des crêpes, mais on n'a pas de lait. Je sais pas si je vais à la supérette, mais ouais, j'aurais bien fait des petites crépouilles. Donc, quand j'ai une idée derrière la tête, j'ai pas de lait, certes, mais j'ai 1 litre de lait d'amande. Et j'ai envie de faire des crêpes. Donc je suis sûre que tu peux faire des crêpes avec du lait d'amande. J'en ai parlé à Eric, il me fait « Ah non, ça va pas être bon, c'est bon, j'en prends pas, j'en mangerai pas. » Et je vais quand même les faire. Je vais les faire, je suis persuadée que ça doit pas être mauvais. Et je suis persuadée qu'il en mangera, et je suis persuadée qu'il va aimer. J'espère. C'est bon, je cherche du vrai. Mais non, mais ça va être parfait, ça, non, chérie. Non, ça va être bon. Non, je te le dis, ça va pas être bon. C'est un truc qui est gâché tout. Mais ça va être très bon. Non, mais il y a que toi. Fais-moi confiance. Et ça se trouve, ça va même pas plaire à toi. Mais ça va être délicieux. Bon, voilà, fais-le bon, tu vois. Mais je vais en prendre pas. Mais arrête de faire ça. Est-ce que vous me voyez, je suis à bout de bras, c'est compliqué, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Première ratée, la deuxième bof, ça sent pas vraiment la crêpe, c'est chaud parce que je veux le faire mentir, je voudrais qu'il goûte et qu'il fasse, tu vois, genre, oh, c'est trop bon, là c'est mal barré, très mal barré. Oui, par contre, quand je cuisine, je cuisine quoi. Voilà à quoi ressemble la crêpe. Bon, comme ça, on pourrait croire. Quoi que c'est entre la pita et la galette, la crêpe, je sais pas. Bon, on va tester. Je vais blinder dessus, comme ça va enlever si jamais il y a un goût. Putain, je blinde à fond. Je sais qu'il adore quand c'est sucré. En espérant qu'il l'accepte. Chérie, bébé, fais-moi le plaisir, s'il te plaît, de goûter ma crêpe. T'avais dit non, mais s'il te plaît. S'il te plaît. C'est bon. À sa tête, je vois que c'est bon. Je l'ai pas goûté, moi. Surprenant, ouais. C'est bon? Ouais. Yes! J'avais dit que je réussirais. Là, à chaque fois. Pardon, si vous n'avez pas de lait, vous avez du lait d'amande, allez-y, foncez, c'est très très bon. Très très bon. J'en ai mangé une et effectivement, c'est délicieux. J'en suis à sa troisième et la quatrième est en train de chauffer. C'est beaucoup plus long par contre à chauffer, donc c'est pour ça que je prends le temps. Mais délicieux. J'aime bien quand je réussis comme ça des objectifs. Ma poubelle, c'est magnifique. Il faut que je la sorte, il faut que je range tout le plan de travail. Un peu aussi le salon qui est en upside down. Et puis, ça sera déjà bien. Ça m'a mis une pêche d'aller marcher. C'est fou, hein. C'est vraiment dingue pour le moral, pour tout. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ben voilà, le plan de travail, gazinière que j'ai lavée. C'est vrai, quand tu fais des crêpes, ça en est partout. J'ai remis un petit peu le salon en place, la poubelle, je l'ai sortie. La litière de Jackie, je m'en suis occupée aussi. C'est bon. Ça, à chaque fois. Voilà, nickel. Vous l'aurez compris, je vous retrouve donc le lendemain, dimanche. J'ai été KO sur place face à cette annonce, donc à 20h. Alors que ce qui est très paradoxal, c'est que je le savais. Mais j'y étais pas préparée. J'ai cette sensation d'oppression, d'étouffer, vous voyez? Et ça, je ne l'ai pas vu venir. Donc, la soirée n'a pas été au top. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas continuer à vlogger. Je pense les reprendre demain, ça sera plus judicieux. Et ça tombe très bien parce que, bon, face à tout ça, je voulais voir avec vous concernant la suite des événements, concernant aussi mes publications. Ce qui se passe, c'est que j'ai été voir, donc c'est bien, enfin, depuis aujourd'hui, c'est officiel. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais en tout cas, dans mon cas, c'est fini, il n'y a plus de rémunération. Il n'y aura plus de rémunération, forcément, les marques se sont enlevées, donc c'est ce qui faisait que tu touchais de l'argent quand tu monétisais, donc tes vidéos, c'est à zéro. C'est-à-dire que là, tout le temps, il y aura la crise pendant 1 mois, peut-être 2 mois, 3 mois, nous ne toucherons plus rien. Bref, je voulais voir avec vous, savoir si vous vouliez que je continue à publier et surtout le type de contenu. Donc moi, j'avais dans l'idée
de vous faire des contenus, bah, c'est pas qui me ressemble, des contenus, donc continuer du vlog quand je le peux. Mais tout en sachant que je ne changerai pas pour autant, c'est-à-dire que bah, vous me verrez avec mes angoisses, mes failles, quand ça va bien, quand bah, comme d'hab, quoi. Et ça risque parfois d'être un peu comme ça. Donc, je sais pas. Je vais maintenir ce que je vous avais dit. Si j'ai tout le nécessaire possible pour tout ce qui était, je vous avais dit, déco, transformation, machin, ça peut être sympa. Et puis, il y aura de la face cam. Je vais voir la fréquence. Et c'est pas parce que bah, je ne serai plus payée que je publierai plus. J'ai pas envie de couper comme ça. Et je pense que ça pourra également vous apporter. Le but aussi pour moi, c'est de vous divertir à la base, mes vidéos. Donc bah, je vais continuer, je ne vais pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Tant que je peux le faire et que bah, ça vous convient. Donc dites-moi tout ça en commentaire, est-ce que déjà ça vous dit que je continue sur cette lignée? Quel type? Non, parce que je sais, mais sachez que vous me verrez avec mes hauts et mes bas dans les vlogs. Je ne ferai pas genre « Waouh, tout va bien !» Non, non, non. C'est pas possible. Et puis dès que je coupe la caméra, je serai en mode ça va pas du tout. Vous voyez? Bon, bah sur ce, je voulais clore ça. Et puis bah vous faire un gros bisou à tous. Et surtout, j'en profite également, je le rappelle, faites ce qui est recommandé. Écoutez, faites confiance quand même, un minimum. Et puis restez dès que vous pouvez. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Le plus chez vous, sortez un minimum. Faut sortir s'aérer. Moi, par exemple, ça va être en forêt, loin de tout le monde. Et c'est tout. Bien sûr, il faut manger. Moi, par exemple, j'ai aucun stock. J'ai pas vu si loin. On n'a pas du tout de stock alimentaire. Donc, bah, forcément, on sera obligé d'aller se ravitailler. Mais ça va le faire. Enfin, on est en France, 21e siècle. Je pense que ça va le faire. Voilà. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis peut-être à demain. Allez, salut !